얘기 안 하고 싶어. 김이 어떻게든 못 받는 거야. Salle initiale où nous devions être, en l'occurrence la mairie de Cayenne, là où nous étions à 3 ans, ne puisse pas nous être alloué, parce que quand quelqu'un vient parler d'autodétermination et de liberté du peuple, il est évident que celui qui veut nous incarcérer n'est pas d'accord pour que ce message puisse être diffusé. C'est de bonne guerre, nous ne sommes pas des victimes, nous passerons le message quel que soit l'endroit où nous sommes. Le peuple est bien plus réceptif que ce que l'impérialisme voudrait nous faire croire. Le peuple de Guyane est vrai. C'est l'un des peuples en réalité les plus en avance, contrairement à ce qu'on croit. Simplement, il est toujours sous l'objet de la domination, de la division. Mais il arrivera un moment où cette division devra être transcendée pour que nous puissions former un point et nous attaquer ensemble à ceux qui nous asphyxient depuis trop longtemps. C'est une terre stratégique, c'est une terre qui est à la fois en Amérique du Sud et qui par une ineptie géostratégique se retrouve et considérée comme française. Et c'est évidemment un terrain vital pour la puissance coloniale, mais dans le même temps c'est aussi un peuple qui a énormément d'espoir, énormément d'enseignements à donner au reste des peuples noirs de manière générale. Et quand je dis noir, sous les différentes teintes, que ce soit clair ou plus foncé, là n'est même pas le plus important, mais les peuples d'ascendance africaine. Il y a une réalité historique, une réalité sociologique ici qui, si elle est bien intégrée, peut donner un enseignement à tous nos peuples un peu partout dans le monde. Et au-delà de ça, il y a un travail de fond à faire pour la logique d'autodétermination. Il y a les escrocs du Rassemblement National qui ont fait un score énorme ici. C'est quelque chose qui n'est pas acceptable sur une terre où le plus grand crime contre l'humanité, sans aucune comparaison, sans aucune concurrence, qui est la traite négrière, le plus grand crime contre l'humanité a pu voir le jour. Il n'est pas normal que le Rassemblement National puisse faire un score aussi élevé. Nous sommes là aussi pour aider les populations et les organisations qui se battent pour l'autodétermination de nos peuples à prendre leurs responsabilités. Si le Rassemblement National a un score aussi élevé, ce n'est pas parce qu'il est aussi populaire, c'est parce que la majorité de la population est fatiguée de la corruption des élites politiques ici, d'accord, et voudrait une autre alternative. Et moi, je pense que l'alternative, c'est le souverainisme du peuple, c'est la souveraineté du peuple guyanais, c'est l'autodétermination du peuple guyanais, et c'est des structures comme l'UTG qui pourront donner cette orientation, cette impulsion, en étant capable de faire venir à eux la jeunesse guyanaise qui est démobilisée, qui ne croit plus en rien, qui est dans un nihilisme concret. Je pense qu'il y a matière à travailler. Nous sommes là pour ça, comme nous sommes partout. Et nous sommes là pendant une semaine, même si le travail se fait de manière constante.